Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les rappels qui viennent vers nous de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut nous dire pas qu'à passer inaperçu, c'est le 5e hijri. En premier, nous prenons un petit peu loin. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec son compagnon qui débarque côté tribu al-Mustatliq concernant le malentendu qui est venu, et alhamdulillah, il fait la victoire. Le chemin de retour, c'est là qu'il nous gagne Tayammum. A faire ressortir qu'il est Tayammum, c'est seulement Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui gagne dit. Et c'est le 5e hijri. Mais le plus important de cette année-là, c'est la même qui arrive Qissatul Ifk. C'est quoi Qissatul Ifk? C'est quand Aïcha radiallahu anha fin retourne depuis un voyage, après avoir kibana fin prend son palanquin, fin retourne vide, et il retourne avec un sahaba, le cheval, le monture, jusqu'à Madina, ban comment nous dire, ban la langue comment se dire, bizena comme il raisonne ça de là. C'est qui? En premier, c'était son cousin même. Deuxième, dans une caravane, bizena qui ken à l'arrière, qui vini, comment c'est qu'il trouve une tombe li, li ramasser. Comment il trouve li, il finit connaître ça, c'est son cousin Aïcha, de Allah, il ne met le son monture, il n'a sans qu'il n'y demande qu'une explication. De Madina, un hypocrite, je saisis l'occasion pareille pour mes tasse-là, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Débouche à l'oreille de Madina, safané, ce que ça rentre deux oreilles à Aïcha radiallahu anha lui-même. Ça rentre deux oreilles sur papa Abu Bakr radiallahu anha, et ça rentre deux oreilles le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une histoire de lui-même, Christo, l'histoire, l'ifk veut dire mensonge. Pour moi, quelque chose qui attire nous l'attention, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient contre Aïcha radiallahu anha, lire Aïcha radiallahu anha, il tient l'habitude, l'écoster et le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis contre lui. Mais ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas assis contre lui. Déploré. Pendant des jours, des semaines. Pour ce qui peut se l'unir. Ce qu'a commandé lui-même de dire, l'homme arrête de couler, c'est du sang qui coulait. Quand il y a aujourd'hui, si nous réfléchissons l'unir, un tifi musulman, il vous connaît qui se l'unir, c'est pas quand il y a beaucoup de likes. Se l'unir, ce n'est pas quand il y en a beaucoup de frères. Se l'honneur, c'est quand ce Créateur reconnaît lui. C'est quand il y a une obéissante d'après la loi sur ce Créateur. Pendant un mois, la ville de Madina cause lui, il touche le sous la case avec ses servantes. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur l'innocence. De surah 24, surah An-Nur, à partir ayat 11. Donc de là, une page est lue jusqu'à jour qiyam pour montrer nous l'innocence à Aïcha radiallahu anha. Donc de là, nous trouve l'obéissance à une fille musulmane. En même temps, nous trouve valer l'honneur à une musulmane. Que Allah subhanahu wa ta'ala descend ayat Qur'an. De nos jours, ayat Qur'an pas pour descendre, mais seulement aux sœurs, si quelqu'un peut mettre blâme le haut et ou connaît ou pas ne faire ça, retourne vers Allah. Retourne vers Allah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour défendre ou, pour laver l'honneur et pour honorer ou. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.